Salut les loulous, c'est Soma. Aujourd'hui, on se retrouve sur la démo de Everdream Valley pour faire une petite découverte de ce jeu d'aventure. Crafting, farming, un peu farm sim. Voilà, ça a l'air de mélanger en tout cas pas mal de genres. Un jeu qui est sans date de sortie, sans prix à vous annoncer, mais qui sortira quand il sortira en Early Access. Il est développé par Moon Eaters et édité par Varsav Game Studios. C'est un jeu solo, comme je l'ai dit, on est sur la version démo. Pas de rebind des touches sur cette démo, en même temps c'est une démo, hein, donc c'est un peu compliqué. Pas de support manette pris en charge, c'est un jeu qui m'a été filé par Alain. Enfin, en tout cas, c'est Alain qui m'a donné l'info de cette démo. Je ne connaissais pas le jeu, et on va découvrir ensemble pendant une petite demi-heure, je pense. Enfin, en tout cas, pendant une demi-heure. Donc, on va faire une nouvelle partie et on va voir un peu ce que ça propose. Donc, le temps du chargement, on a des petites infos sur les raccourcis clavier que j'ai déjà regardé. Je suis obligé de laisser la musique car il n'y a pas de. D'option sonore sur cette démo, et donc la gestion du son je l'ai faite avec la console Windows, et si je coupe les musiques, je coupe tout le son du jeu, ce qui n'a plus grand intérêt de jouer un jeu sans aucun son. Donc on verra bien une fois une game, des fois certaines démos proposent les options une fois qu'on arrive au jeu. Et donc content de te voir garçon, j'aurais besoin de ton aide. La nuit dernière des loups ont attaqué nos moutons, enfin notre enclos à moutons, Mais heureusement, il semble qu'aucun d'entre eux n'ait été blessé. Mais voilà, la barrière, hein, les fences, la barrière est donc détruite. Et les moutons sont en train de se balader un peu partout. Donc il nous dit de prendre ses outils et ses morceaux de barrière et d'essayer de réparer l'enclos. Et rappelle-toi de mettre la pancarte des moutons à l'intérieur de l'enclos. Et tu trouveras cette chose-là à l'entrée de l'étable. Quand tu auras fini, reviens me voir et je t'apprendrai comment peut-être guider, ou je sais pas, les moutons à l'intérieur de l'enclos avec l'aide d'un chien. Alors, comment construire un pen? Donc un enclos. Ok. Ok, c'est du classique, ça on connaît. On peut utiliser la hache pour détruire ce qu'on a mal mis peut-être. Ok, bon. Bah, il est un peu long ton tuto, hein mon gars. Attendez. Ok, le panneau nous permet de savoir combien il y a d'animaux à l'intérieur de l'enclos. Par contre, je trouve bizarre de le mettre dedans, mais c'est peut-être pour qu'ils prennent justement le compte le compte de moutons, qu'ils tiennent les comptes, justement. S'il est à l'extérieur, ça doit pas marcher. Logique. Donc, on a notre petit journal pour les quêtes. Donc voilà, on doit réparer 5 parties et construire les parties manquantes. Ok, donc au niveau interface, alors je trouve ça un peu dérangeant, j'aime pas avoir les raccourcis d'objets en haut de l'écran. Ça peut changer, hein. Et la minimap en bas à gauche, c'est très bizarre. Mais bon, bref. Alors, c'est parti. On a un marteau, une épée. Donc avec le marteau, j'imagine... Voilà, on va déjà réparer les morceaux pétés. Ok. Voilà, ça nous indique combien de morceaux de bois il faut pour pouvoir réparer. Donc en l'occurrence, c'est 2. Je sais pas combien on en a. Est-ce qu'on a un inventaire? Oui, on en a 34. Ça marche. Alors ensuite, il faut mettre... il y a encore une à réparer ici. Et puis il va falloir qu'on mette une barricade, enfin une porte. Donc la porte je l'ai en 4. Voilà. Et en 3 ici. Ok, nickel. Il me faut l'enseigne.
On peut pas déséquiper un outil. Je regrette aussi dans les jeux quand on sélectionne par exemple le marteau, bah qu'en appuyant sur 1, vu qu'il est en 1, je puisse pas le déséquiper. Pour ne rien avoir en main justement. Bref. Pick up. Et donc on veut le mettre. Alors par contre on peut jouer avec le clic molette, ça c'est cool. Open. Ah, je l'ai un peu mis à l'envers. Du coup, bah, vu qu'il se met pas à l'endroit, on va le mettre là. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, il faut que je fasse rentrer les moutons. Alors, est-ce que je vais reparler au papy? Je pense que oui. Alors, il y a pas mal de trucs de pété, hein. 20 pièces de bois. Je pense qu'il va peut-être nous le faire réparer, mais après, donc on verra. Alors graphiquement, le jeu est plutôt mignon. C'est coloré, c'est bien détaillé. Franchement, c'est pas mal. Alors, hey grand-père. Ah, mon garçon, tout va bien? J'ai réparé l'enclos. Tu as fait du bon travail. Maintenant, il est temps de tester tes skills de gardien de troupeau, de mouton. Donc, il y a un sifflet. Avec ça, on peut commander le chien. Alors, donc on peut guider hein, les moutons. On va dire que c'est guider ça, je sais pas trop. Seul ou avec un chien. Solo, donc seul, c'est pas très efficace. Parce que les moutons vont probablement courir à droite à gauche, hein, grosso merdo. Mais guider avec un chien, et donc le fameux sifflet, en utilisant l'action, le bouton action pour les pousser. D'accord. Position du chien est montrée sur avec son ombre, hein? Ouais. Alors, je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais bon, ok. L'inconvénient de l'anglais. Ok, très bien. Alors, le sifflet. Hop. Ah d'accord, avec l'ombre, je guide ses déplacements. Ok. Alors l'ombre, je peux pas la bouger par contre, hein. Et donc, faut que je ramène tous les moutons. On va essayer même d'aller chercher celui du fond là. Allez, c'est parti. Ça va pas être évident, hein. Voilà. Allez, avancez. Pas mal comme ça. Toi, t'es dissident, toi. Ah, mais ils repartent ces andouilles là. Allez. Ils ont tendance à revenir. C'est pas facile facile, mais bah ça se fait quand même. Par contre, il y en a un là, il me casse les pieds là. Allez, faudrait que je les fasse glisser le long de la barrière là. J'ai laissé la porte ouverte, c'est bon. Alors par contre, comment je les fais rentrer dans l'enclos? Ça va pas être simple, ça. Oh là là, la galère! En fait, il les pousse pas au bon endroit, cette andouille là. J'ai essayé de les faire moi-même un par un.
Ah mais c'est... C'est une gageure en fait. Ah, je peux pas... Ah, attendez, je suis coincé là. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus bouger. Alors, je crois que j'ai fait une grosse bêtise. non, d'accord, j'ai compris. Ma souris qui a glissé au mauvais endroit. Alors, maintenant on va essayer de les faire rentrer. Donc notamment là, lui qui s'est barré là. Voilà. Ok. En voilà un déjà. Par contre, tu leur fais peur. Ok. C'est pas facile, hein. Ouais, non, mais là, tu leur fais peur. En fait, vous leur faites peur tous les... Ah! En fait, ils se mettent devant, là, ces andouilles. Et ils leur font peur. Alors que moi, je suis prêt à les faire rentrer, là. Non, ressortez pas! Interdiction de ressortir, là, les gars. Je les ai tous là, non? Il m'en manque qu'un seul. Je vais déjà remettre quand même une barrière. Ok. J'ai peur qu'ils se barrent. Hein. Allez, toi là. Vas-y. Non! C'est le chien là qui me gêne. Le chien me sert à rien là. Ah là là, je vais jamais y arriver. Le petit dernier, allez. Bon, c'est un peu la galère. Viens ici le kleps là parce que tu me saoules en fait. Reste loin. S'il te plaît. Voilà. Ah bah quand même. Ouh. Bon, c'était pas simple hein. Alors... Alors, par contre, ils ont mangé une grosse partie de je sais pas quoi. Ok, donc elle veut que je prenne ses graines, que je restaure Mido, je sais pas ce que ça veut dire. Dans chaque sac, tu trouveras une plante différente, tu es limité à une part de ta propre imagination. Écoutez, on verra bien. On va fermer la porte. Je peux pas fermer la porte? Ah voilà. Ok, donc maintenant je dois... Alors je sais pas où je dois aller en fait. Ça a l'air d'être là-bas. Ah! Je replante de l'herbe en fait. Ok. Et je peux en remettre autant que je veux. Alors J. Ok, 26 sur 100. Ah ouais. Bah allons-y. Hein. Je pense qu'il faut, faut... Je martèle le E là en fait. Hein. Je spam E pour replanter. Apparemment je replante à volonté, les loulous. Ça c'est cool. Ah, j'en ai plus. 89. Comment j'ai fait? Madame, j'en ai plus. J'ai un peu gaspillé, en fait. Vous pouvez m'en redonner, s'il vous plaît? Elle m'en redonne pas. Ah si, pardon. Ça s'est mis en 6. Je sais pas pourquoi. Excellent travail.
Ok, donc on part dormir. Alors, bienvenue à la loterie des rêves, mon cher ami. Alors, tourne la roue pour voir bah, ce que tu vas rencontrer cette nuit. Un mouton. Alors, un rêve de mouton. Alors, les moutons sont en train de se faire attaquer par des loups. Essayez de les protéger. Ok. En fait, j'incarne le chien. Et donc, je dois protéger les moutons. Les loups peuvent détruire l'enclos. Et kidnapper. Ok. Et kidnapper un mouton. Qu'on pourra retrouver dans la journée. Mince, j'avais pas vu. Ok. Alors le problème en fait que j'ai, c'est que ma souris en fait sort de l'écran. Ok, il y en a un autre qui arrive là. Pars-toi de là, toi. Okay. Ici c'est stratégique en fait. Je peux voir, voilà, les loups là-bas arriver de loin. Alors je sais pas combien de temps ça dure. Il a voulu feinter. Pour l'instant, je crois qu'on n'a pas perdu de mouton. On a les 8. Ok, c'est good. Parfois tu gagnes, parfois tu perds. Aujourd'hui, tu as sauvé tous les moutons. Félicitations. Ok, bah c'est cool ces mini-jeux pendant la nuit. Donc, tu as probablement. Je sais pas quoi. Pourquoi tu m'as parlé. Je comprends rien du tout. Alors, c'est un message de l'auteur du jeu. La démo est... Ah, la démo est déjà finie. Mais tu as prouvé ta bravoure en défendant les moutons. Ok. Maintenant, tu peux... Maintenant, tu peux... Spend, je sais pas ce que c'est. Une journée dans ce... voilà. Donc, je peux... En fait, je peux aller me balader, je pense. Ok, il nous a filé des items. Ah ouais, effectivement, il nous a filé plein de trucs. Ok, donc c'est pas la fin de la démo. Alors là, en fait, on nous demande de nettoyer la ferme et de collecter 30 pièces de je sais pas quoi et 20 trucs. D'accord, donc là, c'est du nettoyage. In-game, on a récupéré des ciseaux, un fil à papillon, une pelle, une houe, une canne à pêche. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une canne à pêche aussi, mais j'en ai deux en fait. Ah non! Un jouet à chat! Ok. Et on a plein de trucs pour replanter. Bon, bah ça marche. Alors, on nous demande... Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée. Alors, à première vue, il y a des choses à... Pick-up? J'étais à 7 et 0. Neuf. D'accord, donc il y a des trucs effectivement à... À déblayer.
Alors, je suis à 12. Piece of rubbish scattered around the farm et bush of or tinkets. Des buissons ou des. Genre en fait ça. Alors j'ai encore ma souris qui est sortie de l'écran. Ça compte ça? Ah ça compte, ok. Nice! Ouais, on va pas s'approcher. Bon, ça me fait déblayer aussi un peu l'herbe, hein, mais... 12 sur 30, 6 sur 20. Alors, est-ce que ça marche? J'ai vraiment, il y a vraiment un problème de souris en fait. Là, vous voyez, j'ai pas ma souris à l'écran, mais si je vais trop à gauche, elle bascule sur mon écran de gauche en fait. C'est très problématique. Vous voyez là, elle se balade à l'écran. C'est sur 20. Bon, ce que je viens de faire ne sert strictement à rien. This geese looks dangerous. Le problème, c'est que je risque de couper mon... Je risque de couper mon record si je fais un mauvais clic sur l'écran de gauche. Et le problème, pour tourner la caméra, je suis bien obligé d'aller d'aller vers la gauche, en fait. C'est très stupide comme... Est-ce qu'il y a des réglages in-game? Oui. Est-ce que je peux pas... Ah, on peut pas choisir écran fenêtré. Malheureusement. Tant pis. 8 sur 20. Ok, donc ça a l'air de fonctionner, ça. Donc on peut faire du ménage comme ça. Pardon. 15, 9. Ouais, mais là, je clique à côté de mon écran. Ouais, mais c'est pénible, hein. Je vous jure que c'est pénible. Alors ça, on peut le réparer. Il manque deux pierres. J'en ai eu 5. Ok, on a réparé le workshop où il n'y a aucune recette. Ok. Allez, s'il te plaît, casse-le-moi. Alors ça, je sais pas si ça... 17. 18. Ok, bah on va ramasser tout ça. Ok, c'est complété. Il me manque les buissons. Alors, je suis encore hors écran. Out of stamina. Ah, d'accord, on a une barre de stamina là. Alors, j'en suis à 15.
Putain, si on veut tout ramasser, le bordel qu'il y a. Oh, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Ok, ce côté-là, c'est bon. Voilà, la grange est vide. Pratiquement de tout déchet. Voilà. On peut même récupérer ça. Impeccable. La charrette, c'est good. Alors ici, il faut 40 pièces de bois et 10... Bah, réparons-la. Alors, je sais pas trop en quoi elle était détruite, mais ok. Alors, là, les fougères, à première vue, je peux pas les... les casser. Ouais, calmez-vous. Je veux pas de mal. Je suis en train de tout réparer là. Ok. On répare les enclos. Plus de stamina. Bah, il y a beaucoup de choses à faire hein, pour le moment sur le jeu. Ah, je suis tout le temps en train de vérifier si j'ai pas cassé mon. Bah, si j'ai pas coupé mon record à cause de cette souris là. Calmez-vous. Aïe! Sont sérieux ces bestioles là? Je suis là pour vous faire un bel enclos, tout vous aménager et vous me cassez les pieds? Je peux pas ramasser le caillou? Étonnant. Ah mais il y en a une qui s'est échappée. Mais comment c'est possible ça? Ok. Putain, elles sont violentes les oies. Hein. Ah j'ai plus de... Ah ouais mais j'ai plus de stamina en fait. Et le problème c'est que j'ai besoin d'un pansement là à première vue pour... Ouais, tous les déchets qu'il y a, c'est un truc de fou. Bon, en même temps, on récupère un paquet de ressources. Hein. Oh oh. Je peux pas la mettre. Pourquoi? Collision avec un autre objet. Ah. Ça, je peux pas le... Je peux le kick. C'est tout ce que je peux faire. Bon. Ah, on peut caresser le chien. D'accord. Bah, en tout cas, les loulous, franchement, il y a l'air d'avoir un sacré potentiel sur le jeu. Là, je voulais voir pour réparer ça. Le poulailler. Il y a tout ça à déblayer, en fait. Arrête de faire des caresses au chien, tu veux pas me lâcher le chien? Le chien me lâche plus en fait. Oui, il m'aime bien, mais. Alors, c'est là qu'il y aura des petits réglages à faire. Hein. Vous voyez, le chien est beaucoup trop collé en fait. Et une fois sur deux, je lui fais des câlinous au lieu de faire l'action que je voudrais faire. Donc en tout cas, il y a une sacrée surface de jeu. Il y a une map. Voyons voir un peu la taille de la map pour le moment.
Il y a une galerie photo. Les settings du personnage. Bon, qui sont vides pour le moment. Mince. Voyons voir un peu la carte. Et puis, bon, on s'arrêtera là, les loulous. En tout cas, c'est plutôt sympa. J'ai trouvé le jeu plutôt agréable. En dehors de ce problème de... Comment dire? Je peux pas quitter la map, par contre. Ah, c'est Tab pour sortir. En dehors de ce problème de souris qui passe sur mon autre écran automatiquement quand je vais trop à gauche, ça se passe plutôt bien. La quête, bah, je l'ai pas terminée. Mais vous voyez que du coup, on peut faire plein de choses dans cette démo. Donc j'espère que cette petite présentation, les loulous, de Everdream Valley vous aura plu. J'attends vos retours de commentaires, comme d'habitude, pour savoir ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!